Je ne pense pas qu'il y ait de définition précise. Ce n'est pas être une star, ce n'est pas ce que vous voyez à la télé. Être une femme fatale, c'est être une femme qui a confiance en soi. Vous allez voir, monsieur Lambert, je vais bien m'occuper de vous. Oubliez la maf, choisissez-moi tout de suite. Dans la littérature, on appelle ça des femmes fatales. La femme fatale, même si c'est une expression finalement un tout petit peu datée. You could light it for me. Oh, yes. Yeah. That's just like your husband, isn't it? Mm-hmm. He gave me this because I like the one he had. La femme fatale. Si c'est un terme qu'on utilise maintenant à tout va pour vendre des culottes et des crèmes antirides, la femme fatale a derrière elle un lourd background historique. Parce que s'il y a bien quelque chose qui a fait peur aux hommes au cours de l'histoire, c'est le désir féminin. Quoi de plus effrayant alors que de représenter des créatures dont le pouvoir de séduction serait infini et le désir sexuel insatiable? C'est quelque chose de présent dans une bonne partie des cultures et mythologies, et ce, peu importe l'époque. Entre les sirènes dans l'Odyssée, la légende de Aisha Kandisha, Dalila et Salomé dans l'Ancien Testament, la Nouréona dans la culture japonaise, en passant par les sorcières... Ce qui est complètement absurde, on faisait rien avec les hommes! Il en va de même pour les figures historiques. Ce qu'on retient de Cléopâtre, de Marie-Antoinette ou de l'impératrice Xi, c'est toujours cette dimension du charme. Même des personnages plus confidentiels, comme Mata Hari, danseuse exotique et surtout espionne néerlandaise, ont pâti de ce genre de description. Et mon dieu, elle est restée jusqu'à son exécution une putain de badass! Tandis qu'un officier donne lecture du jugement, la danseuse, qui a refusé de se laisser bander les yeux, très crâne, se place d'elle-même contre le poteau, une corde qui n'est même pas nouée, passée autour de la ceinture. Le peloton d'exécution est à 10 mètres d'elle. Mata Hari sourit encore à Sœur Léonide, agenouillée, et a fait un geste d'adieu. Elle laisse échapper un rire. Ce n'est donc pas particulièrement étonnant que dès les débuts du cinéma, la figure de la femme fatale ait été présente, et que ce soit très vite devenu un personnage type qui s'est extrêmement bien ancré dans l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, quand on pense à une femme fatale, on imagine ce personnage à la tenue ridiculement sophistiquée, avec une cigarette quasiment greffée à son corps. Elle te regarde avec un petit sourire en coin qui indique qu'elle veut faire des choses sales. Décrit comme ça, c'est un trope facile. On n'a pas vraiment besoin de s'attarder sur sa personnalité, puisque l'esthétique globale du personnage fait déjà le travail, et ça en fait une méchante facile à établir, avec des objectifs qui sont souvent les mêmes, la thune slash le pouvoir, et qui a la touche de glamour qui permet de la faire jouer par des actrices bankable. Ok, mais est-ce que c'est tout ce que ce personnage a à nous dire ? Est-ce que ce personnage, inspiré par des craintes sexistes millénaires, a une dimension autre que « elle est bonne et dangereuse » Et si c'est le cas, quelles sont les différentes grilles de lecture dont nous disposons à travers le bon siècle de films où elle apparaît? Bah quoi, vous vous doutez bien que je vais en parler? J'ai pas buté un mec pour rien! Contrairement à ce qu'on peut croire, le cinéma à ses débuts n'était pas particulièrement sexiste, en tout cas pas plus qu'une autre industrie. Les femmes pouvaient y tenir des rôles importants qui ne se limitaient pas au simple fait qu'elles étaient des femmes. Comme si les femmes étaient des individus avec une personnalité et des envies. Ouais, je sais, c'est ouf. Il faut dire qu'à l'époque, le cinéma n'était pas la gigantesque industrie d'aujourd'hui. Beaucoup le voyaient comme une forme de sous-théâtre avec une espérance de vie limitée. La production était bien plus libre et beaucoup d'artistes dits expérimentaux s'essayaient aux médias. C'est comme ça que des films comme Girl in Uniform, qui parle de jeunes filles se découvrant homosexuelles dans l'Allemagne d'avant-guerre, ou La souriante Madame Bedeck, qui dépeint la vie conjugale comme un quotidien destructeur et toxique, ont pu voir le jour. Et c'est un peu fort de café que des films pareils aient pu voir le jour, à une époque où les femmes avaient encore besoin de l'autorisation de leur mari pour travailler, et n'avaient ni droit de vote, ni compte en banque. Il n'en reste que beaucoup des rapports sociaux de l'époque étaient dus aux normes de genre de cette période, souvent très conservatrices, et avec un système de valeurs binaires. Les femmes bien étaient pures et virginales, les hommes bien étaient forts et courageux, inversement, les mauvaises étaient cruelles et sexuelles, et les mauvais étaient des grosses brutes épaisses.
C'est dans ce contexte qu'en 1915 est sorti le film Embrasse-moi idiot, avec Tedra Barra, qui est l'un des tout premiers sexe symboles de l'histoire. Le film nous raconte comment une femme cruelle et sadique utilise ses charmes pour séduire les hommes et détruire leur vie. Pour le plaisir de détruire leur vie. Elle a donné naissance au terme vamp, un terme utilisé pour désigner des femmes vampires qui se nourriraient de l'énergie vitale des hommes autour d'elles et principalement de leur douleur. C'est ce que j'appelle des bonasses qui me hérissent le poil. C'est Catherine Merteuil dans Sex Intention qui en fait des tonnes. Don't you get it? You're just a toy, Sebastian. A little toy I like to play with. And now you've completely blown it with her. I think it's the saddest thing I've ever heard. Cheers. C'est Xenia Onatopp qui prend littéralement son pied alors qu'elle tue les mecs qu'elle pécho. C'est plus des harpies démoniaques des enfers que des êtres humains. Mais c'est pas forcément dangereux, bien que très sexiste. Après tout, elles ont une dimension trop mythologique pour qu'on puisse s'imaginer quoi que ce soit de concret. L'Aurore de Frédéric Willem Murnau nous raconte comment un fermier tombe amoureux d'une belle gosse de la ville et décide sous ses conseils de buter sa femme et de se barrer avec elle. Mais bon, au moment de le faire, il change d'avis, passe une journée en ville avec elle et se rappelle que en vrai, sa meuf elle est cool. Et tout le monde retourne à son joyeux quotidien en oubliant la tentative de meurtre de ce matin. Ok. Margaret Livingston, par son jeu et son manque de scrupules, s'inscrit dans la lignée des vampes, mais elle est sincère dans son amour pour le fermier. C'est une femme riche, avec du pouvoir, elle a rien à gagner d'un pauvre fermier qui vit dans un village tout pété. Et si c'est elle qui suggère qu'il se débarrasse de sa femme, le mec est d'accord et il sait vraiment de la tuer. Mais pour une raison étrange, c'est présenté comme une simple erreur de sa part et il est immédiatement pardonné. Alors que pour la femme de la ville, le fait qu'elle manque de se faire tuer est présenté comme mérité. Alors que les deux sont autant coupables. Mais en fait non, parce qu'elle l'a manipulé, lui qui était un homme bien. On ne pardonne pas à la vamp parce que vraisemblablement, elle est profondément mauvaise. Elle est née mauvaise. Et c'est pratique parce que ça prévient les femmes de l'époque. Soyez pas comme ces méchantes harpies des enfers. Enfin vous, de toute façon, vous pouvez pas l'être. Vous êtes pas comme ça. Vous êtes pas née comme ça. Vous allez pardonner à votre mari quand il a essayé de vous tuer. Ah, il reste du champagne! Et en même temps, ça servait d'avertissement aux mecs qui regardaient. Ou bien avec des personnages qui résistaient au charme de la femme fatale et avaient donc dépassé leur instinct primaire, ou avec des personnages qui crèvent parce qu'ils ont été trop cons et se sont laissés envoûter. La femme fatale était donc plus un support pour projeter des peurs et une certaine morale qu'un personnage. Jusqu'à Loulou. C'est le premier film qui explore une idée qui semblait pourtant évidente. La femme fatale prend des risques. Beaucoup. Bah oui, elle pécho des mecs avec qui elle est pas mariée, à une époque ultra-conservatrice où la notion même de désir féminin est considérée comme tabou. Le film nous parle de Loulou, une artiste qui se fait mener en bateau par son amant, qui la largue dès qu'il a le moyen de se faire un bon mariage, lui demande de se suicider quand elle le trompe, et finit poignardée à mort par Jacques l'Éventreur. Je vais finir par ouvrir une autre bouteille. Effectivement, ce n'est pas une bonne personne et elle agit souvent de manière égoïste. Mais le monde qui l'entoure est aussi égoïste et cruel. C'est une femme qui veut sortir de sa situation précaire. Et effectivement, elle n'a pas de scrupules et est prête à faire tout ce qui est nécessaire pour. Ce qui est compréhensible, si ça n'est pas excusable. C'est la première à être autre chose qu'une figure diabolique qui rit à gorge déployée devant le malheur des autres. C'est une femme cruelle, oui, mais dans un monde qui l'est encore plus. Why don't you try to understand? George was supposed to take care of Arthur, but he lost his silly head and shot Broom. After that, I knew I couldn't trust him. He was mad. He had to be shot. Avec le cinéma qui s'industrialise, des nouveaux genres se créent, l'un des plus codifiés étant le film noir, souvent des films de série B, que les studios hollywoodiens confiaient à des réalisateurs débutants pour les entraîner, et qui ne coûtaient pas forcément très cher à produire, tout en pouvant rapporter une somme intéressante. Il connaît son apogée dans les années 40, l'esthétique de cette période étant encore celle de référence pour la plupart des films noirs. Ce qui est pratique avec les genres extrêmement codifiés, c'est qu'ils ont un public fixe. Les amateurs de films noirs en connaissent généralement les tropes et les éléments scénaristiques, ce qu'ils attendent, à défaut d'être surpris, et de voir comment ces éléments scénaristiques seront utilisés. Et ça n'a rien de nouveau. À l'époque du théâtre, des styles entiers comme la commedia dell'arte se basaient sur les mêmes personnages avec les mêmes personnalités. Dans le cas du noir, les redondances sont souvent les suivantes. Flic slash inspecteur slash ancien truand, reconnu pour ses talents et qui a parfois des problèmes avec l'alcool, est appelé pour une mission slash enquête slash travail sur ou pour un chef de mafia ou de gang puissant. Il rencontre là-bas une femme fatale qui va foutre la merde. Des fois, il se la tape et elle devient gentille. Des fois, il se la tape et ça reste une conne.
Des fois, il se la tape pas et elle devient gentille quand même. Et des fois, il se la tape pas et c'est toujours une conne. On ajoute à ça une inspiration bien notée pour l'expressionnisme allemand et tada ! On a une recette qu'on peut utiliser à l'infini. Et malgré le ton sarcastique que je peux employer, je suis forcée de reconnaître qu'il y a de très très bons films dans le lot, qui sont souvent très beaux, et que les réalisateurs à la barre étaient loin d'être des tâcherons. I'm sure you're very respectable, madam. I must confess, I don't quite know the standard of respectability that you demand in your boarding house, Mrs. Haggerty. Il est difficile d'établir une date de naissance claire à ce genre, mais on peut supposer que c'est la collaboration de Joseph von Sternberg et Marlène Dietrich qui en donneront les bases. Et Marlène Dietrich est LA femme fatale par excellence. Si vous regardez sa collaboration avec Sternberg, vous verrez qu'elle a établi quasiment tous les codes de la femme fatale, dans toutes les possibilités scénaristiques. Dans L'Ange Bleu, c'est la vamp destructrice. Elle manipule des hommes et elle les draine jusqu'à leur mort. When I see a beautiful woman, elle est à moi. That is my reputation. What's wrong? Bref, c'est ce qu'on a déjà vu. Dans Agent X-27, inspiré par Mata Hari, c'est une femme qui a eu une vie misérable et qui, faute de raison de vivre, devient agent secret en se disant qu'à défaut d'avoir une belle vie, elle aura une belle mort. Son pouvoir vient alors de sa capacité à séduire, mais pas uniquement. Dans La femme et le pantin, c'est l'histoire d'une meuf. Elle drague des mecs. Et elle les manipule. Let me go. Don't you touch me. I came here as a friend. Suddenly you throw yourself into my arms and now you accuse me. I kissed you because I loved you. For a minute. Elle rigole pas sur leurs cadavres, cela dit. Dans Shanghai Express, c'est une prostituée de luxe qui est méprisée par son ancien amant et se sacrifie pour sauver le cul de tout le monde et qu'on traite quand même comme de la merde, bah parce qu'elle avait pas qu'à être pute. Can't you do something about this? All I can do is to suggest that you get down on your knees and pray. Ouais, y a un côté boule de suie. Et dans L'Impératrice Rouge, elle fait tuer tout le monde. Absolument tout le monde. Et à la fin, c'est elle qui a le pouvoir. Who is this officer? All of your majesty. Captain in charge of the barracks. Your Majesty, your visit here is the greatest honor in my life. En même temps, les autres, ils étaient cons. Vous avez vu ces films, vous avez vu toutes les variations possibles des femmes fatales. Et si on a un peu plus retenu Veronica Lake ou Rita Hayworth dans l'imaginaire collectif, il suffit de les voir dans leurs films cultes pour comprendre que c'est globalement la même chose. Marlène Dietrich a une telle influence sur le personnage qu'elle a fini par mettre en scène sa propre personne. Tout le monde buvait du champagne et essayait de se rapprocher de ma mère. Qui se comportait à son habitude, comme si elle était seule sur une île déserte, et fumait tranquillement sa cigarette, pendant que les dames et les messieurs la dévoraient des yeux, comme si de rien n'était. C'est durant cette période que la perception de la femme fatale change drastiquement, devenant plus qu'une représentation sexiste pensée par et pour des hommes. Elle devient une source d'inspiration et d'admiration pour beaucoup de femmes, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, où le contexte historique leur donne plus d'indépendance. Ces femmes voient alors dans la femme fatale, non pas une menace ou un avertissement sur ce qu'elles ne doivent pas être, mais une image de liberté et de pouvoir. Il faut dire que sous une lecture autre, où on n'applique pas les mêmes jugements moraux, la femme fatale a quelque chose de jouissif dans sa subversion. I apologize for making pictures. Oh, it's all right. I don't mind being called names or pushed around or even kicked in the shin. Elle ne s'impose pas cette gentillesse qui est pourtant une qualité très demandée chez les femmes, ne cache pas être intéressée par l'argent et le pouvoir, et donne une forte impression de confiance. Si elle est par définition très belle, sa beauté repose avant tout sur sa sophistication, sur le fait qu'elle sait ce qu'elle vaut et comment utiliser ses charmes. Cette confiance en soi est d'ailleurs un argument qui est encore utilisé quand on vend la femme fatale. Vous devez aujourd'hui savoir exactement en quoi vous êtes une femme fantastique. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de tragique dans la vie d'une femme magnifique qui peut avoir absolument tous les mecs qu'elle veut ? Bah déjà, sa situation de base. En dehors de quelques exceptions où c'est un personnage qui vient de base de la haute bourgeoisie voire de la royauté, qu'elle soit harpie des enfers ou meuf bien qui s'ignore, elle est souvent dans une situation précaire. Prostituée, stripteaseuse, danseuse en boîte de nuit, souvent, elle est proche des réseaux mafieux ou des trafics quand elle ne trempe pas directement dedans. Des situations dans lesquelles il est très rare d'atterrir par choix, et qui lui valent le mépris d'une bonne partie de la société.
En un sens, on peut considérer Abigail dans La Favorite comme une femme fatale, dans la mesure où elle manipule et use de ses charmes pour parvenir à ses fins. La différence étant qu'au lieu de jouer la carte de la sensualité, elle jouera la carte de l'innocence. Et Abigail, si elle a conscience que ses actes ne sont pas moraux, est terrifiée à l'idée de retourner dans une vie de misère où elle serait abusée par tous. I will need to act in a way that meets with the edges of my morality. I end up on the street selling my asshole to syphilitic soldiers. Steadfast morality will be a nonsense that will mock me daily. Cette peur peut être appliquée à une bonne partie des femmes fatales. Elles ne sont pas devenues des créatures sensuelles et manipulatrices par plaisir de la destruction. En tout cas, pas celles qui sont autre chose que des bonasses qui te hérissent le poil. Elles le sont devenues par mécanisme de survie, avec toute l'angoisse que leur situation génère. Elles sont dans des milieux dominés par des hommes, où elles sont considérées comme des poupées interchangeables, dans une situation de performance permanente, où elles savent que le luxe dans lequel elles vivent peut être effacé à tout instant. Bound des sœurs Wachowski est un très bon exemple. Violet est la compagne d'un mafieux qui l'utilise comme un trophée, la fait coucher avec d'autres hommes pour avoir des contrats, et tout le monde la traite comme un bout de viande. Ce n'est finalement qu'avec une autre femme qu'elle peut se permettre d'être elle-même, de parler de ses envies, et d'être ouverte sur ses désirs. Pardon. La femme fatale, dans quasiment toutes ses représentations, a profondément conscience de comment le monde qui l'entoure fonctionne et de quels sont les rapports de force et de domination. Sauf que là où un héros classique essaierait de combattre le système qui le broie, la femme fatale essaiera avant tout de sauver sa situation à elle, et elle sait que c'est plus simple si on se met du côté du plus fort et qu'on ravale toute idéologie. Ce mode de fonctionnement, s'il lui permet de tenir sur le court terme, l'isole. Comme elle défend avant tout sa situation à elle, elle est rarement digne de confiance, même dans le regard du public, et quand bien même elle serait prête à se sacrifier pour les autres, son image la rattrape, elle est coincée. I love you. One who follows his nature keeps his original nature in the end. Et quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas l'aimer. La femme fatale ne se donne pas, elle séduit, et c'est tout. Qu'elle soit sincère ou non, elle est bloquée dans son personnage. Il ne leur reste qu'à remettre un maquillage sous des yeux gonflés d'avoir trop pleuré, et de faire comme si rien n'était. Le champagne a subitement un goût amer. Qu'est-ce que l'évolution de nos contextes sociaux ont changé pour la femme fatale ? Avec l'évolution des droits des femmes, enfin, et le fait qu'avoir une sexualité n'est plus si dramatisée, elle a perdu de sa dimension subversive. Bien sûr, des James Bond Girls et autres broyeuses de côte sont trouvables dans un paquet de films d'action, mais au-delà de ça, c'est plus dans des projets expérimentaux que ces personnages semblent trouver une nouvelle substance. Dans les films néo-noirs par exemple, comme Mulholland Drive ou Blade Runner, le personnage de Rita, si on part du principe que tout se passe dans la tête de Diane, est dépendante et fragile. Amnésique, elle est en quelque sorte la créature de Betty, qui peut lui donner la personnalité qui lui arrange. Même chose pour Rachel, dont la mémoire, l'apparence et les goûts ont été créés de toutes pièces. Et pour sa sexualité, même si elle n'est pas d'accord, on lui fera des rouées. Les femmes fatales deviennent des objets de perception et de désir, créés par des personnes qui ont sur elles un pouvoir de contrôle, ce qui ne les rend pas capables de refuser. Elles sont des corps, et c'est tout. Et aucun n'explore mieux cette idée que Under the Skin. S'il y a bien un film que vous devez voir après cette émission, c'est celui-là. Avec Johansson, une actrice de base perçue comme un symbole sexuel, qui n'est qu'une peau, qui déambule sans but précis, réduite à son apparence et son apparence uniquement, qui attire des hommes pour littéralement les vider de leur substance vitale, et qui lorsqu'elle tente de sortir de son personnage, réalise qu'elle est figée dans cette peau, qui la coupe de toute sensation, peu importe sa volonté de recherche d'empathie, elle est vouée à l'échec, et elle est seule. J'ai jamais dit que la femme fatale était un personnage joyeux. C'est d'ailleurs ce qu'on pourra tirer en priorité de cette analyse. La femme fatale est un personnage triste. Et c'est ce que les pubs pour shampoing et autres vidéos coaching, séduction, wikia ou devient femme fatale ma gueule n'ont pas compris. Tu n'as pas envie d'être une femme fatale. Tu n'as pas envie de t'oublier derrière des personnages et de maintenir une forme de mystère derrière toutes tes rencontres. Tu n'as pas envie de n'inspirer confiance à personne et de ne pouvoir pleurer que dans la solitude de ta chambre avec une bouteille de vin et un Xanax. On se rapproche dangereusement de ce à quoi ressemble ma vie. La femme fatale est intéressante dans sa genèse. Née d'un concentré de sexisme crasse, elle est devenue un symbole de force et d'empowerment. C'est majoritairement à travers ce genre de rôle-titre que des actrices cultissimes ont pu faire leur carrière. On nous montre des femmes qui utilisent des armes qui leur sont bien spécifiques, qui ont des failles, qui ont une dimension tragique. Elles ont, bien souvent, beaucoup plus conscience de comment le monde fonctionne que le héros lui-même,
et gardent une dignité supra-shiny malgré tout le mépris qui les entoure. Parce que c'est pas parce qu'on est foutu qu'on peut pas continuer à danser. Et c'est pas Matahari qui dira le contraire. L'officier commandant lève son sabre. Alors que les soldats la mettent en joue, Matahari s'écrie. Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter des gens à l'aube.